Ah mon pauvre vieux, c'est tombé sur toi, je te trouve particulièrement sympathique. Alors je suis victime de mon charme, c'est ça? Tu peux dire ça comme ça. Je peux vous demander une compensation. Défense du consommateur. Je vous demande le remboursement intégral de tous mes frais de scolarité ici pendant les 4 années que j'y ai passé. Cette lâchée de souris blanche. Un carnet scolaire intersidéral. Oui, donne-moi des leçons d'anglais, crétin. Tu t'en rends bien compte de ça, que tu es un crétin? C'est un crétin. Un crétin qui passe son temps dans les cafés à faire le joli cœur. Tu sais, Paul. Oui, qu'est-ce que tu as? Tu es dur avec le petit. Dur avec le petit? Ah, ça, c'est un comble. Mais c'est peut-être lui qui va se farcir une nuit blanche. Mais vous commencez à m'emmerder tous les deux. Paul? Il est parti pour Dijon? Ben oui, ma chérie, toujours cette affaire de viol. Ah non, moi, il ne me viole plus. Il est d'une fidélité consternante. Côté imagination, c'est Walt Disney. Aucun sens de la perversion. Je te plais? La seule chose qui puisse faire craquer Croco, c'est que tout le monde soit au courant, qu'on sème le doute sur la compétence de Martel. La salope, ton dossier, elle se torche avec, trou du cul de merde! Oh, laisse-moi passer! Si tu me touches, je t'arrache la dernière couille qui te reste! Où tu vas, là, Jules? Je... Le grand bleu, ça l'a pas ému du tout. Comment t'as trouvé? Ah, comme d'habitude. Comment t'as trouvé? Comme d'habitude. Marie-Jo, c'est joli ça, Marie-Jo. C'est le diminutif de Marie-Josée? Oui, madame. Non, enfin, je veux dire qu'au départ, on n'imagine pas du tout que Marie-Jo, ça vient de Marie-Josée. Tu te crois malin? Bon, mais de toute façon, tout le monde m'appelle Marie-Jo. Et que font vos parents, mademoiselle Marie-Jo? Sa mère ne travaille pas et reste à la maison. Et que son père est employé dans une banque, voilà. Sauf que mon père... À part ça, ça ne vous gêne pas trop de baiser sous mon toit? Paul, c'est le directeur régional de la BNP. Et donc, Célimène est malceste? Bon, tu n'as rien compris, mais c'est pas grave, on en reparlera. Alors, mon Jules? Allez, Jules. J'ai été collé. Ciao. Pardon. Merci, monsieur. Tu veux qu'on aille voir le Grand Bleu demain soir? Ah non, pas Bessou, s'il te plaît, Ingat. Un viol, quoi. Un viol comment? Un viol violent. Violent comment? Qu'est-ce qui te prend, Gabriel? J'adore la boxe. Inceste, c'est le rêve de tout acteur. Alors c'est vrai, monsieur, vous êtes acteur? Et vous êtes plutôt théâtre ou plutôt cinéma? Théâtre, malheureux. Tiens. Quoi? Vous pouvez me croire. Water pur bleu. Respirez à fond. La pub, là. Sa tête me dit quelque chose. C'est Alceste. Mais alors, enfin! Oh, hé! Ça va, Jules? Je suis venue aussitôt que j'ai pu. Est-ce que non, je... Non. Ne vous affolez pas, chère madame, ce n'est rien. Mais ce n'est rien, je vous assure. Un muscle froissé. Pardon de vous avoir affolé. Voulez-vous que je vous raconte tout ça devant un café? Ah, j'ai besoin de votre signature. Non, j'ai plus classe aujourd'hui. Moi? Tu sais s'il y a une manie? Oui, jeudi à la fin des cours. Bonjour, mon petit chéri, à moi. Maman, qu'est-ce que tu fous ici? Toi, je m'inquiète pour ton train. Voilà. Et puis venir te chercher, ça me rappelle quand tu étais petit. Tu n'es pas bien? Tu m'invites à prendre un verre? J'ai pas un rond et je suis blessé. Où j'en suis? Ben j'en suis nulle part. Bien sûr que je suis tentée.
faire de la gymnastique. C'est malin. Assurance, compétence, scolarité. Assurance, compétence, scolarité. Assurance, compétence, scolarité. Assurance, compétence, scolarité. Oh putain de merde, les actualités régionales. Je ne vous le fais pas dire. On pourrait vous rétorquer que si vous aviez travaillé, vous auriez appris quelque chose. Ah, c'est un argument de prof. Ah, la bonne volonté suffit pas quand ce qu'on nous apprend est débile. Qu'est-ce qui t'arrive? Jules? Où ça? À la télé? Et sur quelle chaîne? Déjà fini? Et comment il était? Oui? Oui? Des grandes phrases? Qu'est-ce que tu veux, tiens de ton père? Mais je suis tentée tout de même. Ben Pierre, le prof de gym. Que je fasse attention au poursuit de la discrétion. Ah. J'avais pas pensé à ça. Reviendra bien assez tôt. Corinne, comment est-ce que tu peux parler de maman comme ça? Viens, on va se coucher. Et tout à l'heure. Je veux voir la fin de l'épisode. Je t'en prie, Gabriel. Hein. Nous, on avait un projet à long terme pour changer les structures de l'éducation nationale. Eh ben nous, on dépoussière. Attention, petit con, je suis ton père. Et moi, j'ai 18 ans et je vous emmerde. J'ai 38 ans. Et je t'emmerde aussi. Ça va, mon chéri? Ça va. J'ai eu des coups de fil. Ça n'a pas arrêté. Didier, la presse locale, l'association des parents d'élèves des Yvelines. Ce sera tout. Oh, dites-moi, c'est vraiment aussi bien que ce qu'on raconte, ce nouveau soin des gores ultra doux? Je ne peux pas essayer tous les shampoings, madame. Mais les clientes ont l'air satisfaites. Pour un enfant, c'est pour vous. Oh, c'est pour moi. Bon. Dites-moi, j'ai laissé tomber la pilule. Oui, enfin, ça va plutôt bien. Mais j'aurais besoin... 10, 20 ou 50. Pardon? Ce que vous voulez. Ça commence en boîte de 10. Alors 10 pour commencer. Avec ou sans réservoir? Avec, je crois. Lubrifié? C'est mieux, vous savez. Le shampoing, vous le voulez toujours? Oui. Ça se torsit que tu rentres. J'ai passé la soirée avec une copine. Je te demande pas d'explication. Tu fumes maintenant? Sois gentil pour une fois. Ouais, c'est ça, pendant que papa s'emmerde tout seul à Lyon pour faire bouillir la marmite. T'as pas honte? Mais honte de quoi? Va te coucher, va, on en reparlera plus tard. On va s'installer au premier dans la salle de gym, tu vas voir, c'est drôle.